Vous avez probablement voulu profiter de la nouvelle saison 4 sur MW3. En toute logique, vous lancez une game, et là vous remarquez que toute l'équipe adverse joue avec la AK-98, le nouveau fusil tactique de la nouvelle saison. La game devient totalement injouable, et là vous comprenez assez rapidement que cette arme est juste cheatée et complètement broken, et qu'il vous la faut absolument. J'ai exactement le même ressenti, et dans cette vidéo, je vais vous partager les deux armes qui peuvent rivaliser et concurrencer cette AK-98 en attendant d'avoir assez de paliers pour l'obtenir. La première, c'est la SPR-208, un fusil tactique qui a un fonctionnement similaire à sa concurrente, et c'est d'ailleurs celle qui a les statistiques les plus proches. Ces deux armes ont comme point commun qu'elles peuvent toutes les deux one-shot dans la tête, le torse et les épaules. La SPR, elle a l'avantage d'avoir un peu plus de cadence de tir et d'avoir la possibilité d'un chargeur amélioré. La AK-98, quant à elle, elle a l'avantage de la portée et de la mobilité. On peut se demander laquelle des deux est la meilleure, ou alors peut-être qu'elles sont toutes les deux équivalentes. On va pas se leurrer, la AK-98 est pour moi largement meilleure. Mais la SPR reste une excellente option afin de rivaliser. La principale différence, c'est au niveau de la portée. La AK-98, elle est à 50 mètres, tandis que la SPR est limitée à 18 mètres. Ça fait que la AK-98 est bien plus polyvalente, mais avec des bons déplacements, on peut quand même s'en sortir avec la SPR-208. Je vais partager les accessoires que j'utilise. Tout d'abord, la FTAC Locus SP, le canon allégé pour un maximum de portée. La munition à crin élevé pour également un maximum de portée, le chargeur de 10 munitions, et enfin la culasse pour la cadence de tir. Avec cette arme, il y a beaucoup d'accessoires qui pourraient être intéressants, mais c'est ce que je trouve le plus optimisé. On enchaîne avec la deuxième arme, et il s'agit du Morse. Logiquement, n'importe quel sniper permet de concurrencer la AK-98, mais je pense que le Morse, c'est la meilleure arme de sa catégorie, c'est pour ça que je la présente dans cette vidéo. Celle-ci a plusieurs avantages, déjà des meilleurs dégâts puisqu'on est tout le temps censé one-shot, y compris en visant les jambes. On a également une meilleure capacité chargeur, parce qu'en fait, vu qu'on n'a qu'une seule munition, on peut techniquement considérer qu'on a une capacité chargeur infinie. Et en plus de ça, on a une lunette vraiment adaptée pour les duels à longue distance, donc ça c'est plutôt intéressant. En termes de désavantages, on a moins de cadence de tir parce qu'on est dépendant du rechargement. Vu qu'on est censé one shot, c'est pas censé être vraiment problématique, mais pour enchaîner les adversaires ou en cas de balle loupée, ça peut être pénalisant. Et le Morse a un deuxième inconvénient, c'est au niveau de la mobilité. Ça fait que la AK-98 sera bien plus efficace pour le rush. Je vous affiche tout de même la classe sans détailler plus que ça puisque je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais disons qu'on va améliorer les dégâts, la cadence ainsi que la mobilité. En conclusion, j'estime que la AK-98 reste meilleure que ces deux armes car elle est beaucoup plus polyvalente, mais avec la SPR on peut essayer de rivaliser tant bien que mal, mais il va falloir absolument bien rusher et avoir des excellents déplacements. Et surtout, on n'a pas le droit à l'erreur, ou alors on peut prendre le Morse pour un gameplay un peu plus posé. D'ailleurs, peu importe l'arme qu'on va choisir, ça va être très compliqué, parce que je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les adversaires jouent de manière ultra cancer, franchement ça campe de partout. Ça fait que c'est pas spécialement agréable, même en jouant avec la AK-98. Et au passage, je précise que la prochaine vidéo, ça sera sur cette nouvelle arme. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis bisous bisous.